It's been the most dependable relationship that I've had for 27 years. The sport has taught me that I can be anything, and I can do anything through hard work, sacrifice, and determination. Skating will always be here as a part of my soul, and now I'm a professional figure skater for Holiday on Ice. の時、私は父を亡くしました。母は一人で私を育て、コーチは父のように私を支えてくれました。二人がいたから今私はここにいます。 J'ai commencé la compétition à 8 ans et tout le monde croyait en moi. Ma famille, mes amis et mes entraîneurs. Mais ils m'ont appris à courir quand moi, je voulais marcher. Mes peurs et mes doutes sur la glace ont toujours été mes pires ennemis et ils le sont encore. J'ai le trac avant chaque spectacle et j'ai d'ailleurs le trac en ce moment même. Laura took me out to coffee and gave me a big formal speech about why we should skate together as I was without a partner. I said, yeah, sure. In that speech, I told him I did not want to date him at all if we did decide to skate together, but the very next day he gave me a big formal speech about why we should try dating as well, and I said, sure. That was 4 years ago. And just a few short weeks ago, I said yes, and now we're engaged! Я начал кататься, когда мне было 5 лет. Когда мне исполнилось 10, у меня начались бесконечные травмы, и все тренеры отказались со мной работать. В этом нет никакого смысла, говорили они, и мне пришлось закончить. Когда мне исполнилось 22, я решил вернуться и начал кататься в шоу. Я понял, что не стоит останавливаться, даже если остальные говорят, что в этом нет никакого смысла. Depuis l'âge de 4 ans, je fais toujours le même rêve. Je rêve de l'or olympique. J'ai demandé même à ma maman pourquoi elle m'a appelée Marina. Elle m'a dit à le nom de grande actrice, Marina Vladi. Et moi, je voulais être Olympiade. Olympiade à Nissina. J'ai quitté la Russie pour rejoindre mon partenaire Gwendal. J'ai tout laissé derrière moi. Ma famille, mes amis, et tout sacrifié pour réaliser mon rêve, devenir championne olympique. De mon côté, cela faisait 12 ans que je patinais avec ma première partenaire. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle arrêtait, j'ai pensé que ma carrière était terminée. Et puis, Marina est arrivée. Enfin, juste après sa fameuse lettre. Avant, le plaisir d'être sur la glace me suffisait. Avec Marina, j'ai pris goût à la victoire. Et dès lors, j'ai eu à cœur de toujours être sur la plus haute marche du podium. C'est vraiment une chance que nos routes se soient croisées. Ça fait maintenant 23 ans et nous avons fait tout ça à Lyon. This is the story of our lives.